Enfin, nous nous retrouvons. Eh oui, il n'est pas trop tard. De 1632 à 1932. Ça fait bien 300 ans, ça, Hubert. Ah, selon M. Van Kekul, oui, c'est juste. Ça fait bien 300 ans. 300 ans. Allez, cessons de m'émerer et allons discuter des questions fondamentales. Vous avez bien raison, mon cher Spinoza. Allons-y. Attention, j'arrive. Tombez pas dans l'eau. Je suis arrivé. Oh, que c'est beau la nature, mon Spinoza. La nature, c'est Dieu. Dieu crée la nature. Vous savez, c'est une expansion divine. Quant à moi, je crois plutôt au Big Bang. Oh non, 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 Dieu, c'est la nature sans aucun doute. Regardez comme c'est beau. Nous sommes entourés d'oiseaux. Wow. De divinités. Alors, continuons. Attention ici. Attention ici là, c'est pas évident. Attention pour pas glisser puis vous retrouver dans la rivière. Oh mon Dieu, Monsieur Spinoza, je vous avais pourtant prévenu. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Comme un vieux dicton l'a dit, celui qui se presse se retrouvera toujours le pète dans l'eau. Oh, une mule! C'est très impressionnant, très belle trouvaille, mon Spinoza. C'est impressionnant de savoir qu'il y a 7000 ans, quelqu'un connaît un ceci dans ses mains. Eh oui, c'est la preuve même de l'évolution de la vie. Tous sous nature. Pardonnez-moi, mon maître. Ah, c'est une phrase que j'adore réciter. Dieu, c'est-à-dire la nature. Ah. Ouais. Who can say where the road goes, where the day... Alors, cher philosophe, d'où venons-nous? Ah, c'est une très bonne question. C'est effectivement une très bonne question. Je crois qu'il faut reculer de très loin pour en connaître la réponse. C'est Dieu qui nous a créés. Jusqu'à présent, effectivement, seulement la religion et la perception du monde y répondait. Aujourd'hui, la science aussi y répond à cette question. Elle reconstitue l'histoire du monde. C'est la même évolution qui, depuis 15 milliards d'années, pousse la matière organisée, du Big Bang à l'intelligence. Nous descendons des singes, des bactéries, des galaxies. Et notre corps composé de particules ici, de puits de temps. Enfin, je serais plus prêt à dire que nous venons de Dieu, car Dieu, c'est la nature, et tout ce qui précède la nature vient de Dieu. Il n'y a pas de rupture entre une nature et un Dieu. La nature est éternelle et infinie. Je crois plutôt à la théorie du Big Bang. Le comble de l'orgueil ou de l'abjection est le comble de l'ignorance de soi-même. C'est ensuite une série apparentée à la fameuse histoire de la planète, notre belle planète. Et à quoi sert la biodiversité? Alors, pour répondre à ta question, mon cher Spinoza, je vais te faire la citation que j'ai moi-même écrite dans mon petit livre « Le joli petit monde » d'Hubert Yves. Effectivement. Alors, pour répondre à ta question, la biodiversité, ça sert à rien, à tout. Parce que la biodiversité, c'est la vie.
En tout cas, c'est la première réponse que j'ai envie de faire. Et je sous-entends que si on y réfléchit, la question ne se pose pas. Sauf si l'on a envie de philosopher sur le sens de la vie. Par exemple, à quoi sert notre chat? Et nous-mêmes, à quoi servons-nous? Alors prenons donc la question ainsi. À quoi nous sert la biodiversité? J'ai envie de te répondre qu'elle nous sert à manger. C'est une évidence. À quoi nous sert la biodiversité? À quoi? Alors, comme j'ai dit plus tôt, c'est une évidence. Et si nous n'avions qu'un seul aliment à notre disposition, nous n'aimerions pas ça. Alors, c'est pour ça que toute la nature regroupe cette belle biodiversité que compose notre alimentation et qui est, en fin de compte, notre raison d'être sur la planète. Voir, docile nature. Dieu ou la nature est composée d'attributs infiniment nombreux dont la pensée et la réalité physique feraient partie. Dieu serait le monde naturel et ne serait pas personnifié. De la théorie qui veut que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Je crois que cette théorie est particulièrement vraie sur la Terre. Effectivement, notre planète est faite d'atomes et ces atomes forment entre autres des molécules. Ces molécules ont évidemment une histoire car elles sont impliquées dans le phénomène de la vie. Poursuivez, c'est intéressant. Je vous donne un exemple. Lorsque nous mourons, notre corps est enfoui sous la terre. On se retrouve dans un phénomène de transformation. Alors, c'est une forme de recyclage perpétuel de la nature. Notre corps, constitué d'atomes de poussière d'étoiles, sont toujours recyclés. Alors, si votre théorie tient, on peut supposer que même les plantes qui poussent auprès des cimetières sont composées de particules d'atomes, de lettres, se trouvant sur Terre. Tout à fait, Monsieur Spinoza. Je vous l'affirme. Merci, mon cher Spinoza. Ah, non, c'est moi qui vous remercie. Moi, Ubarri, j'aime beaucoup ce rapport avec les arbres. Ah. J'adore les voir grandir. Ce sont un peu comme mes enfants. J'aime les retrouver après la saison d'hiver. C'est comme un peu la renaissance de la vie, hein? Moi, Baruch Spinoza, je suis né le 24 novembre 1632. J'ai beaucoup d'intérêt pour l'éthique, l'herméneutique biblique, la politique, la psychologie ainsi que l'ontologie. Laissez-moi poursuivre ma lecture de la Bible. Regardez comme c'est dommage. Ici, près des grands centres urbains, plus moyen d'observer une seule étoile. C'est dommage, hein? Ici à Riri, où ce que je venais l'été en famille, hein? Près de notre chalet, près du lac, le lac Saint-Louis. Nous pouvions observer les pluies d'étoiles. Aujourd'hui, avec l'émergence des grandes villes, plus moyen d'en observer une seule. Non, mais regardez toute cette pollution! Alors, pour conclure, chers amis de la Terre que nous sommes, je vais vous offrir un peu ma vision de la chose, de la vie. D'où venons-nous et comment devons-nous vivre? Alors, ça va comme suit. Nous vivons dans un univers en évolution, car de nouvelles structures se créent constamment. Par contre, aujourd'hui, les humains détruisent la nature, se détruisent! C'est bien connu, l'humanité n'est pas la favorite de la nature. Il faut s'ouvrir les yeux, mes amis! Les scientifiques ont montré que le rythme actuel de disparition des espèces était de 100 à 1000 fois supérieur au rythme naturel. On parle ici de la 5e crise d'extinction d'espèces. Et devinez quoi? La 5e
c'était l'extinction des dinosaures. Pensons-y la prochaine fois que notre regard se posera sur un arbre ou notre oreille entendra les sons des oiseaux. Alors, mon mot de la fin. Que béni, que Dieu vous bénisse de la nature, de sous nature à la nature. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through, through it all. Oui, c'est l'expression de la vie. C'est lui, Zedda, ce Natura? Ouais, je pense que ouais. Attends, là, c'est Jason. C'est un peu la bonne page. Ah oui, ouais. C'est la bonne page. Ah, oh, héberger un. Ah oui, tout à fait, c'est la page. C'est bon, ça? Je voulais pas te parler, on commence. Ah! Yeah! Elle a tombé dans ma bouche. Devons nous vivre. On commence. Alors pour conclure. Conclure. Je vais vous offrir. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a tombé dans ma bouche. Se trouvant sur Terre. On continue. Et vous, Spinoza, quoi ferez-vous? On dirait de dire croquerez. Et vous, mon cher Spinov, quoi croyez-vous? Et vous, mon cher Spinoza, quoi? Que croyez-vous? Oh mon Dieu! Sur le sens de la vie. À quoi sert notre chat? Il nous mène. C'est en train de décoller!